Georges Duhamel, né à Paris le 30 juin 1884 et mort à Valmondois, Seine-et-Oise, actuellement Val d'Oise, le 13 avril 1966, est un médecin, écrivain et poète français. Rendu célèbre par l'écriture de Civilisation, prix Goncourt 1918, puis de la Chronique des Pasquier, il fut élu en 1935 membre de l'Académie française dont il fut secrétaire perpétuel de 1944 à 1946. Il devint ensuite un président très actif pour le renouveau de l'Alliance française après-guerre. Georges Duhamel est aussi le père du compositeur Antoine Duhamel et le grand-père de l'écrivain journaliste Jérôme Duhamel. Grand voyageur à travers l'Europe à pied, en médecine il veut désormais faire ses armes. On n'a qu'à voir les sciences, dont l'intérêt le charme. Redoublant d'ardeur il devient un licencié. Guerrier volontaire il veut aux lettres s'initier. En 1919, il dit adieu aux armes. Sa vie de militaire lui a fait couler des larmes. Désormais, écrire sera bien son métier. Un succès éclatant dans les lettres l'attend. Homme qui est devenu le témoin de son temps, au vu de ses tournées en Russie, en Amérique. Mercure France honore de sa direction. Écrivain, il combat les excès des techniques. Lors de l'occupation, aucune publication. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner, commenter, partager, et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.